on est sur le point de partir, là, Jo. Ouais. Par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller écouter le bruit à l'échappement pour voir au démarrage. Ouais. Hein, je vais me mettre derrière. Ouais. Donc, le démarrage de l'Alfa Romeo 4C, les amis. Oh, ça souffle! J'ai senti le souffle chaud! J'ai senti le souffle chaud de l'échappement. Il n'y a pas beaucoup de distance à faire, vous commencerez derrière. Ah, bah le tableau de bord allumé. Regardez, les amis. Regardez le tableau de bord allumé. Donc, virtuel. Virtuel complètement, contour c'est pas mal. Contour, vitesse, kilomètre heure ici au milieu. T'as tout. Température du moteur, tout est dessus. Tout est compacté en fait. Même le turbo. T'as la pression en bar du turbo. Pression du turbo. Et qui ne sert à rien, mais qui est sympathique. Ouais, enfin bon, ça se met en mouvement. Température d'eau, l'essence, dans un tout petit endroit, ouais. On a tout cumulé. Ça, c'est intéressant, mais quand tu connais, tu as même l'heure. Tu as même l'heure là-haut, le nombre de kilomètres. La température, 31 degrés, c'est pas mal. Hein. 31 degrés aujourd'hui, enfin, voyez que, soleil, mais il fait chaud, les amis, aujourd'hui. Ouais. Donc, très optimisé. Et je vais m'attacher, du coup. Même la ceinture, dis donc, la ceinture, elle est typée un peu course. Là, c'est. Alors voilà, on va aller comprendre, là, Jo, ouais. Pourquoi tu as choisi la 4C. On a toutes les vitres fermées, ouais. On est dans une version Spider, le toit est également fermé, hein, pour qu'on nous entende mieux, pour l'instant on va rouler toit fermé. Les sigles Alfa Romeo jaune, ouais, UCI centre. Ah ouais, là je suis dans l'ambiance. Déjà, et pourtant t'as pas fait grand chose, t'as rien fait là. Non, mais c'est ça qui est... C'est la voiture de puriste. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les ailes. On voit le capot à l'avant, c'est droit. Ça, j'aime bien voir ça. Et on voit aussi dans le rétroviseur la forme. Oui, putain, les prises d'air. Les prises d'air à l'arrière, là, c'est joli, ça, dans le rétro, là, ça se reflète. Une belle parole de proprio encore avec Jo, là. En plus, un youtubeur belge. Ça, c'est double plaisir aujourd'hui, hein. Ah là là, ce bruit à l'échappement là. Si on peut ouvrir la fenêtre, on ne fait jamais que le mur. Pour le bruit. Ah ouais, attends, ouvre-moi là. Écoutez-moi le son. Ah, mais c'est génial. Eh ben, t'as tout résumé. Mais t'as tout résumé, Jo, là, ça y est, c'est bon. Eh ben, on peut arrêter là cette parole de proprio, j'ai compris. J'ai compris pourquoi t'as choisi la 4C. Ah ouais, non mais... Fou. Et en plus, c'est que ça envoie, quand même. Ouais. Ouais, mais moi, j'avais essayé cette voiture. Sur circuit, mais ça n'a rien à voir, tout est annihilé sur circuit, c'est des grands espaces, tu vois. Mais là, sur route ouverte comme ça, la 4C, ah ouais, c'est... La voiture pure et dure, adaptée au circuit qui s'est échappé du circuit. Ah ouais, mais ça j'adore. C'est top, Jo, parce qu'en plus les routes là sont complètement adaptées à la 4C là. T'avais raison. Ça devient un peu plus hard. Là on va passer. C'est... Ouais, là c'est un peu plus tape cul. C'est là que tu dois bien tenir ton volant parce que. C'est là où il faut que tu la tiennes. C'est ce que tu disais. Parce qu'elle a tendance à partir un peu. Ah, ça c'est une voiture brutale, hein. C'est clairement pas, c'est ça qui est un peu, on avait relevé quand on avait le premier essai, c'est vrai qu'on dit ça pourrait être
par le style, une voiture qui pourrait intéresser, un petit cabriolet comme ça qui pourrait intéresser les femmes. Mais je pense qu'une femme qui voudrait l'acheter, je lui conseille quand même de l'essayer avant. Ah, c'est génial. C'est pas du tout misogyne, mais je pense que... Ouais. Non, je comprends ce que tu dis. Je pense que ça ne prend pas plus. Non, c'est une voiture brutale, elle est brute de décoffrage, la voiture. Voilà. Franchement, j'adore. Ça, tu... On se sent vivre, on sent la voiture vivre. Oui, tu ressens tout. Tu ressens tout, t'as tout. C'est dans les fesses, c'est dans les mains. Un peu les vibrations, c'est top. Putain, le freinage, il est balèze aussi. Hein. Un petit tour de rond-point là, pour voir l'optimisation de l'amortissement qui est très fort. Elle ne bouge pas. Putain, ça vire à plat. Elle est tellement collée au sol. De gravité, moi, centre de gravité, il n'y a pas de roulis du tout là. Pour celui qui voudrait acheter cette voiture, nos amis qui sont là au bout de la caméra, un acheteur potentiel qui hésite. N'achetez pas de train quand même. J'ai envie qu'elle garde le côté exclusif. Ouais, je comprends, Jo, t'as raison. C'est une très mauvaise nouvelle. <C'est... rire> Je comprends, Jo, mais quand même, dis à nos amis ses qualités. Alors, on sait, elle est bestiale, ça roule. Mais ses défauts. Je pense que ses défauts, c'est... C'est aussi des qualités. C'est ce que tu recherches. Le côté sec. J'ai envie de dire, à un moment donné, j'étais fan de la voiture, allemande. Vraiment, j'étais fan de voiture sportive allemande. C'est d'ailleurs mon époque, M235, M4. Ouais. Et donc là, j'entendais des gens qui voulaient en italienne ou en anglaise. Ouais. Et qui disaient, mais finalement, ce sont les défauts des voitures qui sont attachants et autres. Et je disais, mais c'est un peu pipo. Ouais. Je comprends maintenant. Après avoir une anglaise, maintenant qui sont de l'Italie. T'as eu des Allemands, une anglaise gens, et là une italienne. Ce que les gens voulaient dire quand ils disaient voilà, ce sont les défauts qui rendent les voitures italiennes ou anglaises attachantes. T'as fait le tour de la passion automobile là, donc, du coup. Au niveau des défauts, ben, je veux dire, le premier défaut c'est la carte au sol. Parce qu'on voit, ben, on va le voir ici. Alors, le dodane, effectivement, ça c'est un des défauts. N'importe où, parce que dans beaucoup de parkings maintenant pour rentrer, tu as. C'est la mode. T'as des bordures et autres. Donc tu sais pas passer partout. Certains dodans, tu vas passer en crabe, mais en vrai, il y en a certains. Enfin, dodans, ça doit aller, mais certaines bordures, tu sais pas passer. Mmh. Donc c'est la garde au sol qui est très très basse. Elle a une garde au sol de supercars, sauf que les supercars maintenant montent des systèmes. Ouais, il y a des systèmes électriques. 3000 euros le lift, mais des systèmes de lift. Ici, forcément, il n'y a pas ce système-là. Et donc, elle a le défaut sans avoir ce système-là. Donc, ça, c'est quand même. Deuxième défaut, bah, c'est le côté. Moi, c'est une qualité en roue, quand tu roules dynamiquement, mais le côté direction non assistée, bah, on l'a vu quand tu es en manœuvre. Ouais, en manœuvre, voilà. Si tu dois répéter ça. Oui, c'est pas une voiture de ville. Hein. C'est quand même pénible. En plus, ça, les gens qui vont s'énerver. Donc, c'est pas. Ça, c'est aussi. Puis le côté aussi, ben voilà, dépouillé. T'as une radio sortie des années 90. Mais voilà, et le côté. Oui, le côté finition du tableau de bord. Voilà. T'as pas une boîte pour mettre ta boîte de tes lunettes, pour mettre ton GSM. Ouais, mais quand t'es sur un circuit, t'as pas le temps. C'est clair. Tu t'en fous de tout ça, mais. Voilà. Mais donc, les défauts, ils sont là. C'est vraiment le côté vie pratique et côté qualité ressentie. C'est ton Audi ici. C'est la philosophie inverse, mais c'est des voitures qui sont complètement différentes. Mais voilà, c'est intéressant de dire à nos amis voilà les vrais défauts de la 4C. Il faut pouvoir accepter, il faut absolument pour moi que ce soit une deuxième voiture. On ne peut pas avoir ça en voiture principale. Et il faut pouvoir accepter que cette voiture consomme pour aller sur circuit ou pour les rouler un peu. Ah oui, ça consomme. Il faut qu'on en parle d'ailleurs des consommations. On est mis à zéro justement avant de venir. Ah bah c'est intéressant ça alors. Sur le trajet de 2 heures où j'ai fait principalement de la nationale. La grande route, ouais. Et ben, on est à 10 litres 6. Bon, 10 litres 6 pour une voiture sportive comme celle-là. C'est correct. Ça ne me semble pas démesuré. De nouveau, grâce au poids, à mon avis. Ouais. Je peux vous dire un truc, hein, c'est que. C'est un 4 cylindres, moi aussi j'aime bien les 6 cylindres, les 8 cylindres. Mais là, le 4 cylindres, il m'a pas gêné une seule seconde. Hein. Non, on est d'accord. Ah non, il y a de la poussée, il y a du bruit, il y a la puissance, enfin il y a tout ce qu'il faut. Quoi. Il est bien fait maintenant au niveau de noblesse et purement côté vieux puriste. Ouais. On pourrait dire, voilà, avec un 6, elle existe, une voiture de ce type-là. Avec un 6 cylindres, c'est la Lotus Exige. Ah oui, chez Lotus, ils ont un 6 cylindres. Chez Lotus, ils ont sur l'Exige, pas sur la. Pas sur l'Exige, ils ont un 6 cylindres Toyota.
un V6 de 350 chevaux. D'accord. Avec une série spéciale à 380. Attends, ça c'est bon, il n'y a personne. Donc là, on vient de voir un autre défaut qui est déjà avancé sur Lifetime, c'est le côté visibilité pour l'arrière. Ah. Et quasiment, il n'avait pas été là, je n'aurais pas su voir, donc j'aurais pu m'arrêter avant et commander. Ah oui, tu es obligé de te pencher parce que la fenêtre, elle est courte, effectivement. Et à l'arrière, la visibilité sur l'arrière. Mais sur le Cabrio, ça va, on a 8, que sur le coupé, la c'est encore pire. Est quasi nulle aussi. Ah, ouais. Tu es obligé de préférer au rétroviseur. Oui. Latéraux, mais sur l'arrière, la visibilité. Ici, t'as quand même une visibilité normale. Maintenant, moi, ce que je veux comprendre, c'est d'où te vient cette passion pour l'automobile, la genèse de ça. Est-ce que t'as une explication? Ça ne remonte pas à l'enfance, comme tu le disais. Ah, moi, je le disais, ça ne remonte pas à l'enfance. Toi, ça ne remonte pas à l'enfance. Moi, ça remonte plutôt à l'adolescence. Où, ah ouais. À partir du moment où j'ai commencé à approcher de l'âge du permis de conduire, j'ai commencé à m'intéresser à ce que j'allais pouvoir. Prendre comme voiture et pouvoir rouler. Mais tant que je n'ai pas eu le permis, le permis je n'étais pas. Ça, vraiment commencé, ça coïncide vraiment avec, avec ton permis et l'achat d'une voiture. L'achat d'une première voiture, ce qui était une Peugeot 106. Ah, bon, il faut bien commencer. La Peugeot, c'était une marque qui est. Qui t'a intéressé. Qui était récurrent parce qu'il y a eu. J'ai eu une 406 coupée, 406. Ah oui, t'as eu ça quand même. Oui, j'ai eu ça aussi. Ah oui, bien. C'est vraiment une marque qui est revenue quand même de manière récurrente. Pour le design, c'est vrai que Peugeot a toujours été dessiné par Pininfarina souvent. Tout à fait. Voilà, sensible à ça. Privilège, les amis. Jo me fait de me laisser le volant de l'Alfa Romeo 4C. Speeder. On a pu enlever le toit. Youhou. T'as trouvé pour enlever le toit. On verra après comment le remettre. Mais... Ça aurait été quand même dommage de ne pas. On peut essayer un speeder. Sans... Exactement. Pour démarrer, il va appuyer sur le frein. Alors, dans cette voiture radicale, j'appuie sur le frein. Déjà, on démarre. Tout en la clé. Démarrage, c'est là. C'est encore une clé, c'est pas un bouton. C'est encore une clé, ouais, je cherchais le bouton, le start. Oh. Bon. Attends. Il y a un lion derrière ou c'est. Je pense qu'il y a un fauve qui nous poursuit. Hein. Je crois qu'il faut vraiment. C'est une voiture. Ça se vit. Non, il faut prendre le volant en fait. Bon. Alors écoute, j'y vais. Je m'habitue un peu à la voiture après. Oui, bien ça va le faire. Alors là, c'est chaud, j'ai pas le gabarit de la voiture. Elle est quand même large, hein. C'est vrai que quand tu es au volant, là, c'est impressionnant, hein, avec les ailes qui débordent. Alors, effectivement, les amis, je confirme, pas de direction assistée. Ça, on s'en... Quand tu fais tes manœuvres, on s'en rend compte directement. C'est à l'ancienne, mais est-ce que c'est désagréable pour autant? En manœuvre, c'est désagréable, non, j'aime bien, mais en manœuvre, c'est... Ouais. Alors, on va faire son demi-tour ici. C'est une voiture qui s'apprivoise, de ce que je comprends, là. Oui, tout à fait. Sur les premiers tours de roue. Je pense qu'il faut, oui, il faut... Ça s'apprivoise tout doucement. Pour la prendre un petit peu en main, c'est vrai que... À tous les niveaux, hein, au niveau des dimensions, au niveau du, ouais. Du dosage, t'as une carte de dosage. La largeur est impressionnante, hein. Ah ouais, c'est... Ça envoie du lourd. 240 chevaux. Avec 900 kg. C'est ça le secret, le rapport pour puissance. C'est un rapport pour puissance d'une quasi d'une 4 pour tout ça. Poussé aux fesses. Et alors, le système de pédalier alors, à la brute, hein, mais pour autant, c'est bien. T'as raison, on est allongé. Oui. Tu peux mettre bien tes pieds. Oh, le turbo, c'est grisant. Là, tu vas voir le côté. Tu vas te rendre compte ici du côté où il faut garder, c'est de vrai sur le volant. La réaccélération là. Eh Jo, là je comprends, hein, c'est une voiture d'homme, hein, t'as raison. Ici tu dois bien garder tes deux mains sur le volant. C'est pas... Ah ouais, là il faut la finir. T'as raison. Tu lâches le volant là, on est dans le champ. Tu lâches le volant, mais c'est fini là. Excellent auto, hein. Là c'est bon, j'ai eu la démonstration par Jo d'abord qui m'a fait une belle démo. Là j'en prends le volant, ça y est j'ai tout compris. Hein. Ah c'est bon, j'ai tout compris, c'est complètement rationnel. C'est une voiture brute de décoffrage qui est faite pour la performance. C'est une voiture de malade. Ah,
génial, c'est génial. Ça me laisse sans voix d'ailleurs. Je pense que le terme quand on dit vraiment voiture de course, homologué pour la route, c'est vraiment le bon terme. Quand t'as fait la route, t'as fait 2 heures de route pour venir, ouais. On vient de se retrouver. Quand tu fais de l'autoroute comme ça pendant 2 heures, qu'est-ce que ça donne? Pas terrible. C'est pas top. Allez, au niveau, tu le remarques, au niveau sonore, au à 130. Niveau suspension, confort. C'est pas une voiture qui est faite, c'est pas une GT, c'est pas une voiture qui est faite pour aller en week-end, faire de la route ou autre. Elle n'a aucun côté pratique. Tu vois, on disait, il n'y a pas de montagne. On n'avait pas un endroit pour mettre ton GSM. C'est pas ni une voiture de tous les jours, ça c'est impossible. Ni, de plus que par la guerre au sol aussi, ni une voiture pratique non plus. Donc voilà, c'est quand même vraiment une voiture pour se faire plaisir, ouais, de sensations. Ah ouais, là, tu te fais plaisir, c'est ça le plaisir automobile, la passion automobile, elle est là, elle est résumée dans cette 4C. Hein. C'est que ça. Bon, quoi vous dire, moi, qu'est-ce que je ressens? Oui, dire qu'elle est... Parle-nous, alors, mais non, mais ça me laisse sans voix, je te jure que cette voiture. Mais justement, je veux faire passer ça à la caméra. Je veux vous dire, les amis, qu'est-ce que je ressens là à l'instant avec ces quelques tours de roue. C'est un positionnement baqué, mais qui n'est pas omniprésent. Il n'est pas super serrant, comme tu disais, ça peut être un défaut, mais bon, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais ouais, c'est du sport, c'est brutal. Il n'y a pas de direction assistée, donc on sent la voiture qui vit là, on sent que ça tourne, il faut la tenir. Toutes les imperfections de la route, il faut la dompter. Mais oui, mais c'est bien aussi de sentir ça un peu. Ça change un peu des autres voitures. Et puis la puissance, elle est là, putain, tu sens que dans le dos ça pousse, que le lion il te pousse au dos là, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est du bonheur cette voiture. Quand on est passionné de voiture, on ne peut qu'aimer ça. Et c'est agréable, les amis, c'est agréable de rouler cheveux au vent. Il fait beau, ou casquette au vent plutôt. C'était pas gagné aujourd'hui, mais c'était pas gagné, mais finalement on a une belle journée. Moi j'aime ça, hein, comme je dis souvent, les cabriolets. J'adore ça. Et dis donc, il y a un angle de braquage qui est de folie là. Ouais. Parce qu'il n'y a rien à l'avant. Ouais, c'est cool. Ouais. Donc là, vous avez un rayon de braquage qui est super optimisé. La voiture va faire demi-tour quasiment sur elle-même là. Ça, j'étais impressionné de la capacité. Tu vois, regarde. C'est fou. Un tour sur soi. Ça, c'est bien. C'est le bon côté quand t'as rien à l'avant. Oui. Oh là là. Dans mon hangar, il y aurait une 4C. Je te le dis parce que... Je t'encourage. Bah, merci pour l'essai de cette voiture que tu m'as laissé conduire, pour ta parole de proprio. Ouais. On va couper le moteur. Si je peux permettre, voiture de location, je vais quand même citer le nom. Ah bah, bien sûr, oui, cite, vas-y. C'est une connaissance. C'est un ami, C'est Gentleman and Care. Ouais. Donc voilà. Il est situé où alors? Il est situé sur Bruxelles. Bruxelles? Région Bruxelles. Location de voitures de luxe, donc il loue toutes sortes de voitures. Donc c'est un gars, c'est un ami à toi qui est passionné et qui a créé son agence. Oui, Ferrari, GT3, tu peux te faire plaisir, quoi. Donc voilà. Bon, bah si des gens passent. Vous tapez Gentleman and Care sur Google, vous trouverez. Voilà, si vous passez à Bruxelles ou s'il y a des Bruxellois qui nous regardent, parce que. Et c'est libre, c'est un peu européen. Et là, on retrouve aussi le côté. C'est un passionné qui fait ça. Parce que tout ça aussi, beaucoup de sociétés de voitures de luxe qui vont le faire pour le pognon. Ouais. Moi, il faut dire que c'est. Que là, c'est vraiment. Pour la passion d'avoir des. La passion de la voiture. Ouais. Bah, Ludo. Oh, bah, Joe, écoute. Attends, c'est moi qui vais te remercier parce que là, on a passé un moment délicieux ensemble à découvrir cette auto. Ouais. Franchement, elle est bluffante. Moi, je confirme, tu es un vrai pur passionné. Ça, quand on achète une voiture comme celle-là, on peut être qu'un pur passionné. Oui, elle est extraordinaire, tu m'as convaincu. Moi aussi, je l'achèterais. Si j'avais un hangar, si j'avais les moyens de m'acheter encore une nouvelle voiture, je prendrais une 4C aussi, sans problème. Donc, les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne de Joe, oui. Petit essai entre amis, que vous trouvez sur YouTube, voilà. Que vous trouvez sur les réseaux sociaux.
aussi. Le groupe, comment il s'appelle? Groupe, petit, communauté, petits essais entre amis. Donc, communauté, comme moi, finalement. On a cherché, j'ai remarqué qu'on a essayé plusieurs noms et finalement on est arrivés tous les deux à communauté. On se retrouve toujours. Bon, donc un pouce bleu, un commentaire si vous avez des choses à dire sur cette 4C, si vous avez des questions. Geoffroy se fera un plaisir d'aller y répondre en direct, en tant que propriétaire d'une 4C. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez aussi partager la vidéo. Ouais. C'est important. Les pouces, ça se fait. Les vidéos, les partages, ça se fait un peu moins. Mais il ne faut pas hésiter à le faire. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à le faire. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Essai Libre et puis que là, vous nous découvrez, bah, abonnez-vous sur Essai Libre, abonnez-vous sur Petit Essai entre amis. Et puis, bah, Jo, je te dis à très bientôt parce qu'on va se revoir. Ouais, c'est quasi assuré. Hein. Ouais. Et on le refera avec des événements. Avec peut-être des... événements, peut-être vous, des circuits. Et peut-être avec vous, les abonnés, effectivement. Ça pourrait être sympa de réunir les deux communautés. Ah ouais, on va prévoir un truc, on va prévoir du lourd, là. Je sens qu'on va faire des grandes choses ensemble, Jo. Ah ouais, on va faire des belles choses, là. Bon, les amis, on va arrêter là, parce que la vidéo s'arrêtera pas. Ça serait interminable, des heures. Ça fait je sais pas combien d'heures qu'on est là, mais c'est du bonheur, c'est intemporel, on voit pas le temps passer à chaque fois. Merci, Jo, à bientôt, les amis. Salut à tous. Ciao, à bientôt. Ciao. Et surtout, j'allais oublier, et surtout, vivez votre passion. Ah oui. C'est le plus important. C'est clair. Hein, et ça, on l'a vécu, bien. On l'a vécu, oui. Allez, ciao. Salut.